Avant de vous laisser avec l'interview riche et extrêmement désinspirante du jour, je vous signale la sortie d'une nouvelle série, Ici Demain, réalisée avec l'association Ville Internet. La première saison de Disruption Protestante était sous la forme narrative, chaque épisode étant une immersion sonore dans un sujet lié au numérique, illustré par les activités d'une entreprise. Ici Demain est en quelque sorte la verticale collectivité de Disruption Protestante, pour parler la Startup Nation. Chaque épisode traite d'un sujet lié au numérique, illustré par le travail d'une collectivité française. Dans les trois premiers épisodes, disponibles dès maintenant dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr, vous partirez sur la trace des données personnelles des habitants de Vannes, vous rentrerez dans les salles de classe du Pré-Saint-Gervais et vous rencontrerez les élus et habitants de Montségur-sur-Lauzon, village de la Drôme provençale non raccordé au très haut débit. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode des rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, Dimitri Régnier nous racontait son expérience dans le monde de l'inspiration et des startups nantaises en nous expliquant que le modèle d'aide et accompagnement en France était orienté vers le seul modèle de l'entreprise à ambition légendaire. Les soi-disant licornes et prochains Facebook. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée, sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Aujourd'hui, direction Biarritz et le Pays Basque avec Paul-Louis Beltante, cofondateur de Better Eyes. Better Eyes édite une plateforme permettant aux grands acteurs B2B de créer leurs services numériques en santé. Paul-Louis ne manque pas d'ambition, mais pas celle d'écrabouiller toute la concurrence et de créer un monopole à tout prix. Il va vous expliquer la différence entre entrepreneur et start-upper. Ensuite, il vous parlera de son expérience des relations entre start-up et grands groupes, avec un point de vue bien affirmé sur la fameuse tendance de l'open innovation. Pour finir, Paul-Louis vous racontera l'intérêt pour une PME technologique de déménager de Paris vers Biarritz. Bonne désinspiration ! Alors par rapport à l'angle start-up, à start-up, etc., je veux pas tomber dans la polémique facile. Moi, en fait, les choses sont pour moi... assez claires. Pour moi, il y a une vraie différence entre un start-upper et un entrepreneur. Il y a d'un côté des gens qui créent des sociétés, des startups, en se disant on a une idée, on a un positionnement qui, selon nous, va pouvoir avoir une résonance sur un certain marché aujourd'hui. On crée un produit rapide, il faut lever beaucoup de fonds pour faire en sorte de vérifier cette idée, et coup de chance ou pas, cette idée peut plaire, peut exploser, et ta startup devient viable à ce moment-là, et elle se lève encore plus de fonds, ou elle se fait racheter, et tu as réussi ton pari. Ça, c'est le mode startup. Mais le mode startup, c'est de la loterie. C'est de la vraie loterie. À côté, tu as l'entrepreneur qui va se dire, dès le départ, je vais pas essayer de chercher des fonds, je vais essayer de chercher des clients. Je vais faire un produit non pas pour amuser la galerie ou pour faire du buzz parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, mais on fait un produit parce qu'on pense qu'il y a une vraie valeur et qu'on peut utiliser telle techno, on peut utiliser tel device pour créer telle valeur pour telle personne, ce qui est très vrai dans la santé. Hein. Tu te dis, nous on s'est dit aujourd'hui, on va utiliser les devices que t'as sur toi au quotidien qui récupèrent pas mal de données te concernant pour te fournir des services extrêmement adapté à ton profil, ton comportement, ton contexte, et donc du coup t'aider à mieux vivre. Mais peu importe, l'entrepreneur, il va essayer de faire un produit et il va essayer de trouver un modèle économique. Si l'entrepreneur n'a pas trouvé de modèle économique au bout d'un an, bah effectivement c'est un peu compliqué. Mais l'entrepreneur va toujours essayer de trouver de l'argent, va toujours essayer de trouver un client, va toujours essayer de créer de la vraie valeur. Il construit quelque chose de solide. Un start-upper va pas forcément chercher à créer quelque chose de solide. Il va chercher à créer quelque chose de gros. Donc, je dis pas que l'un est mal ou que l'autre est mieux. Je pense que c'est deux différences d'approche fondamentales. En revanche, moi, ce qui m'émeut et ce qui me chagrine un peu pour tout te dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait croire aux jeunes dans notre pays que le seul modèle pour entreprendre, c'est le modèle des startups. Et c'est ça qui me chagrine. C'est que tu ne peux pas dire aujourd'hui à tous les jeunes qui sortent d'école ou qui ont 25, 30 ans, qui se disent, tiens, effectivement, j'ai envie de créer ma boîte. Aujourd'hui, les gens n'ont pas envie de créer leur boîte, ils ont envie de créer leur startup. Donc,
ils se mettent, ils vont faire un brainstorming de plusieurs soirées dans des bars pour trouver des, pour trouver un nom sympa, pour trouver un logo sympa, pour trouver une carte de visite sympa, pour aller chercher justement le baby foot dans leurs super locaux. Ils vont essayer de faire le tour des incubateurs pour essayer de ça, pour essayer d'avoir un tout petit bureau dans, dans un incubateur. Encore une fois, je dis pas que tout est mal, mais pour moi, quelque chose comme le Station F, moi, quand j'y pense, à Station F, ça me fait penser à un abattoir, tu vois. C'est un gigantesque lieu où tu fais rentrer des milliers de jeunes chaque année et qui vont complètement à l'abattoir. Ils rentrent à Station F, t'as l'impression que rentrer dans Station F, déjà, c'est l'aboutissement en soi, tu vois. Je suis à Station F, je suis à Station F. C'est génial, super. Tu postes ta vidéo sur Facebook où t'es à Station F, c'est génial, tu rencontres plein de gens, t'as une super cantine, etc., etc. Je dis pas que Station F est pas un lieu, utile par rapport à la création, etc., etc. Je dis juste que faire croire aux jeunes que vouloir créer sa start-up, c'est le Graal, et qu'une fois que tu es à Station F, et ben t'as ton succès est déjà tout tracé, c'est faux. C'est une fable. Et moi, je suis vent debout contre cette fable des start-up, qui est de faire croire à tout le monde que une bonne idée et puis une bonne incubation t'aidera, enfin te permettra de lever des fonds extrêmement facilement, et puis une fois que t'as levé 1 million, 2 millions, 3 millions, de toute façon ton idée elle est bonne, et puis regarde aux US comment ça se passe, c'est facile de faire du business. Non, c'est pas facile, l'entrepreneuriat c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut gérer avec 15 000 critères au quotidien pour faire en sorte que ta société avance, et faire croire aux gens qu'une société c'est simplement avoir un beau logo, un beau slogan, et puis même avoir des téléchargements mais sans modèle économique derrière, c'est faux. Les grandes entreprises se mettent aussi beaucoup à discuter avec des startups. Ouais. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur aussi, tout ce qui est open innovation et compagnie. Est-ce que vous avez participé à ça et quel est ton regard, toi, en tant qu'entrepreneur ? L'open innovation, c'est la plus belle trouvaille qu'ont trouvé les grandes entreprises pour paraître un peu jeunes et innovantes et piller du savoir gratuitement. Et ne rien donner en retour. Enfin, oui, on en a fait plein il y a quelques années, parce que c'est hyper sexy. Toi, t'es une jeune société, t'essayes de percer dans le domaine, et puis t'as une grande société qui te dit on a scanné tout le marché, on vous veut dans 6 mois sur scène pour nos grands raouts annuels devant tous les cadres de la société pour parler d'open innovation, venez raconter vos secrets, etc., etc. On l'a fait, hein, on l'a fait de nombreuses reprises, on a fait des conférences, des journées entières Open Innovation avec des ateliers, tu vois, etc. Et en fait, tu passes ta journée à expliquer au cadre ou à la direction de grandes entreprises le monde merveilleux, alors des startups, hein, t'es pas jeune entreprise, t'es pas machin, t'es startup, que c'est bien d'être startup parce que bah tu vois, t'as pas de process, parce que t'es libre, parce que tu peux être vachement créatif, etc. Nous, la chose qu'on leur dit, c'est ce qui est fou, c'est que vous, une grande entreprise peut être tout ce qu'une startup peut être. La grande différence, c'est qu'il y a de l'argent. Et donc, elle peut aller beaucoup plus vite qu'une startup. C'est paradoxal, hein, ce qu'on peut dire, mais les grandes entreprises n'ont des contraintes que celles qu'elles se donnent. Et en fait, on amuse la galerie. C'est tout, c'est chose d'open innovation. T'as des cadres qui sont là, qui se prennent une après-midi, c'est sympa, ils sont en amphi avec leurs collègues, ils ont bien mangé à midi, et puis ils viennent voir sur scène 2-3 startups qui font le show, et puis ils repartent sans, ils disent ouais, c'est quand même génial les startups, j'ai vu des startups géniales, etc. Toi, t'as ton post LinkedIn ou ton post Facebook, tu penses que t'es arrivé, et puis c'est tout. Parce qu'après, ça ne va jamais plus loin. Parce qu'après, jamais aucune autre boîte dans ce principe d'open innovation va plus loin. Alors maintenant, tu commences à avoir des concours d'open innovation qui sont qui sont rémunérés. Donc tu peux avoir 30 000 euros de prix si tu remportes le concours open innovation. 30 000 euros, c'est une somme, je dis pas. Mais c'est bien quand t'es startup et qu'il faut que tu tiennes encore 6 mois. Quand tu es une jeune entreprise que tu tournes, pardon, je suis pas du tout de prétention de ma part, mais tu n'as plus le temps d'aller divertir ces grandes sociétés. Donc nous aujourd'hui, on refuse tout pitch d'open innovation. On n'a plus de temps à perdre. Surtout, encore une fois, je répète, on est à Biarritz. Moi, aller faire une journée d'open innovation à Paris, ça me coûte de l'argent, parce qu'il y a le déplacement, parce qu'il y a tout ça. Ça me coûte beaucoup beaucoup de temps et j'ai pas le temps, et donc je le fais pas, et en fait ça me va très bien, ça me va très bien. C'est vrai que je suis un peu gêné par ce principe d'open innovation, parce que c'est pas de l'open innovation, c'est
c'est abuser de la puissance des grands groupes pour soit divertir ta masse salariale ou soit piller des choses auprès des entreprises que tu viens voir. Plutôt que d'organiser des séances d'open innovation qui coûtent quand même de l'argent parce qu'il faut réserver des amphis, parce qu'il faut réserver des choses, enfin bref, des événements qui s'organisent, il ferait mieux de donner à chaque start-up ou chaque entreprise qui vient dans ces séances-là, il ferait mieux de donner quelques dizaines de milliers d'euros à chacune pour faire des POC, tu vois, pour faire des prototypes de services, de faire bosser concrètement la startup pour ce groupe-là en disant qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et ils font le service, ils testent le service, produit, encore une fois. Et si le produit fonctionne, si ça répond à un usage, et ben là, effectivement, tu vas un peu plus loin. Mais sinon, tout le reste... Ouais, ça commence à changer un petit peu, mais c'est compliqué. Ouais. Est-ce que t'as peut-être sans citer les entreprises, mais est-ce que t'as peut-être une ou deux anecdotes croustillantes sur un truc auquel t'as participé? Oui, alors oui, non, mais je dis donne pas de nom parce qu'après c'est trop facile, mais non, bien sûr. Mais hein. Non, quelque chose qui est pour moi très symptomatique. On nous a demandé de venir devant une grande société internationale de pitcher devant toute la direction de ce groupe-là pour parler de l'impact que la santé pourrait avoir sur leur domaine d'activité. Très bien. Donc on fait le pitch pendant une heure devant entre milliers d'eux. Voilà, il y avait des membres du comité de direction, etc. Enfin, assez haut placé, très bien. À la fin du talk, il y a une personne du comité d'administration, du conseil d'administration de la société qui vient nous voir en disant, je trouve ça vraiment très intéressant, votre approche, bravo, c'est super, il faut vraiment qu'on avance dans le sens parce que je pense que ça peut avoir du sens sur notre activité. Bon, nous, on repart de là, on se dit, c'est génial, c'est super, on va avancer avec eux, et puis le mec a l'air assez intéressé d'un point de vue stratégique, c'est important. Et ensuite, on s'est fait aspirer par le vortex du département Open Innovation, où il a fallu, malgré l'intérêt marqué de la direction, il a fallu passer par des séances de pitch devant les métiers de la société, tu vois. Donc en fait, l'innovation invite le marketing, invite les industriels, etc., etc. Et donc tu pitches une fois, deux fois, trois fois, et puis bah tu reviens parce que comme la direction avait l'air intéressée, tu dis bon, je vais quand même pas lâcher le truc. Et au bout d'un moment, bah ça donne rien. Et on dit, on demande à notre contact de l'innovation, mais pourquoi ça donne rien? Parce que la direction avait l'air intéressée. Et là, les mecs te disent, bah oui, mais les métiers aujourd'hui ne sont pas intéressés parce que vous proposez, en tout cas ça semble trop, c'est trop tôt pour notre métier. Là tu lui dis, d'accord, mais le but d'un département innovation, c'est justement de faire l'innovation, de financer l'innovation, de faire en sorte que l'innovation soit apportée aux métiers, et les métiers ensuite décident ou pas si cette innovation réalisée a un intérêt ou pas. Ah oui, mais chez nous l'innovation, il n'y a pas de budget. Et oui, mais donc du coup, tu crées des cirques, l'innovation, tu organises des pitches, tu perds ton temps, tu fais des choses comme ça. Et en fait, la personne qui choisit, qui décide si tu peux bosser ou pas, c'est les personnes qui ne sont pas innovantes. Enfin, c'est les personnes qui sont dans le métier aujourd'hui, à qui on ne demande pas de se projeter dans 5 ans. Il faut que l'innovation réussisse à vendre en interne, quoi. C'est toujours le même problème. Oui, mais si l'innovation n'a jamais de budget, si c'est juste pour s'acheter une vertu, tu vois, c'est du startup washing que font toutes ces boîtes là. C'est, j'ai un département innovation, c'est génial, c'est super. J'ai un super fil Facebook, d'accord, mais d'un point de vue business, ça ne change rien parce que la personne qui décide, c'est toujours la même, c'est le mec qui est là depuis 40 ans au marketing qui dit mais moi je sais comment faire mon produit, j'ai pas besoin de ça, ça sera dans 15 ans, on verra. Eh oui, mais sauf que ça traite pas l'innovation et c'est pour ça que les gens innovent pas. Voilà, tu prends Kodak, exemple, l'innovation, c'est quoi? Il y a eu un mec au département innovation qui a dit, au fait, les mecs, il paraîtrait qu'aujourd'hui, on a plus besoin de pellicules pour prendre des photos. Ouais, mais le mec qui faisait des photos depuis 40 ans, il a dit, oh, mais attends, les gens, ils vont toujours préférer l'argentique, c'est sûr, parce que ça fait des meilleures photos, etc., etc. On n'a pas de budget à passer là-dedans. Oui, mais l'innovation, elle est plus forte que tout. Donc voilà, c'est dommage, en fait. C'est l'innovation. Et parce qu'ils faisaient leur beurre sur les consommables aussi. C'est que tu ne remets pas. Forcément, tu ne peux pas demander aux gens qui font le gros du business d'une société de remettre en cause leur business. C'est pas possible. C'est impossible. C'est normal. C'est humain. C'est à ça que servent les départements innovation. Mais si le département innovation, il ne sert qu'à organiser des raouts, des cirques open innovation juste pour amuser les galeries, ça ne sert à rien. Le département innovation, il doit avoir un budget. Sur la base de ce budget, tu développes des choses, tu développes des prototypes qui montrent au métier. Ah oui. Ah oui, c'est vrai.
Et tu mets ce prototype dans la main des clients et tu vois ce que les clients, tu vois ce que les clients, ce que les utilisateurs veulent. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc voilà l'anecdote. Enfin, c'est surtout le c'est très très symptomatique de très représentatif du monde aujourd'hui, enfin, de la relation aujourd'hui entre les startups et les grands groupes. Vous avez lancé ça il y a combien de temps? Est-ce que vous avez lancé ça à Paris et vous avez bougé, ou dès le début tu t'es dit Pays Basque? Alors on a commencé effectivement à Paris l'aventure Better Eyes. Et puis je t'avoue, alors ça peut être le but de certains échanges après. En fait, on a voulu un peu partir de cette agitation start-upienne parisienne, qui pour nous était un peu contre-productive, paradoxalement. Et on avait envie de vivre un peu, tout simplement aussi. Et c'est pour ça qu'on a déménagé toute la boîte au Pays Basque, à Biarritz, où on y trouve une véritable qualité de vie, où on y trouve un vrai plaisir au quotidien, et surtout où on n'est pas embêté au quotidien par ce que je disais, tout le microcosme parisien qui nous solliciterait de trop. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a un vrai équilibre. Beaucoup de gens nous disent, ouais, mais attends, à Biarritz, ça va être compliqué de créer sa boîte, ça va être compliqué de créer sa start-up, on y reviendra, de Biarritz. Et en fait, je leur réponds à chaque fois, mais au contraire, c'est la plus grande chance que l'on a, c'est d'être à Biarritz. C'est que on n'a aucun stress aujourd'hui en termes de transport, en termes d'accès au bureau. On arrive, on a des super bureaux, on est à 300 mètres de la plage, on peut aller surfer entre midi et deux, et c'est pas un compte, c'est juste que c'est notre vie ici. Du coup, on est hyper détendu. On est hyper focus sur la seule chose qui compte pour une boîte, c'est le produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes, quand elles arrivent, eh ben, elles ont qu'une chose à penser, c'est le produit. On travaille avec beaucoup de clients à l'international aussi. Si on était à Paris, je pense que chacun de mes chefs de projet aurait au moins un rendez-vous par jour avec un de leurs clients. Donc, tu mets un rendez-vous à 15h ou à 16h, mais tu perds ton après-midi parce qu'il faut préparer le rendez-vous, il faut y aller, il faut, etc., etc. Là, aujourd'hui, comme on est de toute façon, par défaut, à plus de 800 km de notre premier client. De toute façon, on fait tout ça par Skype, on fait tout ça par téléphone. Ça fonctionne très très bien et c'est extrêmement efficace. On a des calls Skype de 30 minutes. On se connecte à Skype. Skype, ce qui est bien, c'est que tu perds pas ton temps en digression. Tu es juste hyper efficace. Et je pense que c'est ce qui nous caractérise, c'est qu'aujourd'hui on est hyper efficace. Il y a beaucoup de clients qui nous demandent, et je dis pas ça pour nous, hein, parce qu'on échange, qui nous disent, mais comment vous faites pour faire autant de choses? Parce qu'effectivement, on fait beaucoup de verticales, on fait du wellness, on fait de la maternité, on fait du diabète, on fait du cardio, on fait de l'oncologie aussi. Là, on a commencé. On a énormément de fonctionnalités. Notre plateforme, elle a aujourd'hui 75 fonctionnalités. Enfin, c'est extrêmement important comme plateforme. Mais on y arrive parce que on reste extrêmement serein, extrêmement les pieds sur terre, et qu'on essaie d'être extrêmement efficace. On fait pas des horaires de fou. On a des horaires qui sont hyper aménagés d'ailleurs par rapport à nos salariés. Aujourd'hui, nos salariés, il y a une formule d'horaire entre guillemets qui leur permet de partir à 17h30 tous les soirs pour avoir une vie après le travail. Voilà. Et ça marche très bien parce que quand les salariés sont là, ils font des journées hyper efficaces. Il n'y a pas de perte de temps. Et quand ils sont là, ils travaillent vraiment pour le bien de notre plateforme, pour le bien de nos clients. Et je pense que ça change tout. C'est cette efficacité et de voir une activité entrepreneuriale non pas comme une somme de bruit à faire autour de ton business ou te mettre dans des comment dire, créer une boîte, c'est créer un produit qui va trouver ses clients. Il y a que ça qui est intéressant, tout le reste tu perds ton temps. Donc nous, on se concentre sur le produit, on se concentre sur nos clients, et quand la journée est finie, et ben effectivement, on va profiter de la région. Et vous étiez combien au moment du déménagement, et vous êtes combien maintenant? Est-ce que vous étiez déjà nombreux? Je veux dire, ça a posé des problèmes pour certains, peut-être, ou... Alors certains nous ont pas suivis, ouais, on était 5. Certains ont choisi de pas nous suivre, mais globalement la majorité a suivi parce que c'était une discussion un peu de groupe, et on s'est dit, bah tiens, allez, on y va tous ensemble. Ensuite, tu sais, nous on est sur un modèle qui est extrêmement flexible, c'est-à-dire que aujourd'hui on est 10, nous, à Biarritz, mais on travaille, il y a 25 personnes aujourd'hui qui en France et en Europe travaillent quotidiennement pour nous,
Donc quand je dis quotidiennement, c'est vraiment des gens avec qui on est sous contrat et avec des contrats qui sont 5 jours par semaine, donc des contrats temps plein. Et on a 25 personnes qui travaillent avec nous. On a choisi ça, ce travail à distance. Pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. C'est que, un, c'est une contrainte due à Biarritz. C'est qu'aujourd'hui, à Biarritz, pour créer une équipe de 35-40 personnes, c'est pas toujours facile de trouver les bons profils. C'est vrai, on est un peu isolé. Mais c'est une super chance aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est 10 personnes à Biarritz, on est concentré autour de l'équipe projet. Il n'y a que des chefs de projet ici à Biarritz. Et ensuite, on a des développeurs, on a des journalistes qui écrivent pour nous, mais qui sont situés un peu partout en France et en Europe aussi, et qui nous permettent d'avancer de manière hyper efficace encore une fois. On a plusieurs pôles techniques en France et en Europe aussi. Il y a rien de pire que de devoir gérer des équipes techniques et des équipes marketing au même endroit, parce que elles se polluent sans cesse. Elles vont se voir en disant tiens, j'ai un bug ici, qu'est-ce que tu en dis, etc., etc. Là, encore une fois, on est obligé, du fait de notre distance, d'avoir des process qui sont hyper carrés. On fait des calls réguliers, on a des outils de suivi, des Jira, des choses comme ça qui nous permettent d'avoir un suivi extrêmement précis des projets. Mais si tu veux, chacun est concentré sur sa tâche. Et quand un chef de projet chez moi contacte une personne de la technique, c'est pour un besoin extrêmement identifié, sur un bug extrêmement précis, et donc tout est hyper efficace. Ça manque pas de chaleur humaine, hein, parce que je peux dire, on pourrait croire que, ouais, attention, ça va être un peu compliqué parce que les mecs, c'est des robots. Pas du tout. C'est juste qu'on est très concentré sur le boulot, on fait le boulot bien, et ce qui nous laisse beaucoup de temps à côté, ben, pour profiter de la vie. Ça peut paraître bête, mais on n'a jamais fait aujourd'hui de nuit blanche chez Better Eyes. On n'a jamais passé des soirées entières complètement envahies par le stress pour livrer des clients. Non, on essaie de faire des choses très maîtrisées. Parce qu'on veut faire notre boîte, on veut que notre boîte ait du sens. Alors on n'a pas de baby foot, parce qu'on ne tombe pas dans ces clichés-là non plus. Vous faites du FIFA ou du PES à distance peut-être, non? Oui, et ça, alors ça, il y a des consoles effectivement, donc ça joue. Non, mais voilà, on fait des choses sympas. On est déjà dans une région sympa, et puis après on fait des, voilà, on a des, il y a fruits frais, légumes frais à volonté pour les salariés de la boîte. On aménage vachement les horaires aussi pour les séances de sport, des choses comme ça. Voilà, il faut que la boîte permette à chacun d'être heureux. Il faut pas aller trop loin dans la mythologie des startups. Ta boîte n'est pas ta vie. Ta boîte est une composante importante de ta vie. Il faut que ta boîte te permette de mieux vivre, mais tu as une vie en dehors de la boîte. Et c'est ça qui est important. Il faut que ta boîte te permette de trouver le bon équilibre. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense que ça se ressent sur nos produits, sur notre activité. Aujourd'hui, chez Better Eyes, ce qui est très agréable, c'est qu'on ne survend pas. On ne vend que des choses qu'on a faites, que des choses qu'on est sûr de pouvoir délivrer. Et du coup, on a une relation qui est très franche et très sereine avec nos clients, où on se concentre. D'ailleurs, on appelle souvent nos clients nos partenaires. On se concentre sur le produit, sur les utilisateurs des services. Et on dit souvent, en fait, on a le même objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que les utilisateurs de nos services vivent mieux, quel que soit leur problème de santé. Et on a cet objectif commun avec nos partenaires, et c'est là-dessus qu'on se concentre. Et quand tu ne survends pas, eh bien, tu produis ce que le partenaire attend, tu produis ce dont l'utilisateur a besoin, il y a de l'usage, ça marche bien et tu peux construire des relations avec tes partenaires sur plusieurs années. Aujourd'hui, on a des partenaires, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on a des contrats avec eux. Eh bien, on continue, on va encore plus loin, on a des contrats cadres sur plusieurs années qui nous permettent de construire des vraies stratégies de santé digitale. Et c'est ça qui a un sens. Notre but, c'est pas d'aller voler un client à la va-vite chez un client en disant tiens, chez un client à la va-vite en disant tiens, on va signer vite le contrat, on va le faire l'an prochain parce qu'on va pas rêver à délivrer. Non, l'idée, c'est de commencer, c'est d'avoir des vraies relations de confiance avec les clients, de faire un service qui a du sens. Et comme ça a du sens, comme il y a de l'usage, comme ça a de la valeur, et ben on continue le contrat sur plusieurs années. C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.